Salut tout le monde, ici Frankie Bidou et bienvenue à un Frankie Rétro avec Resident Evil le premier. Donc un petit jeu d'horreur, un vieux jeu d'horreur, mais qui a été remasterisé en HD là pas très longtemps, mais je pense que je joue à 2014, peu importe ça se peut. J'ai seulement joué au 4 et au 5, donc cette série-là elle m'intéresse vraiment beaucoup, mais tant qu'à faire, hey, je vais commencer du premier. On va faire le deuxième, troisième, et ensuite on va commencer avec ce que je connais un peu. Le quatrième, cinquième, et éventuellement aussi le sixième. On va commencer une partie. Resident Evil. Resident Evil. Il sera toujours là. Donc oui, il y a original, les commandes originales avec les sous-titres. Merci. Et on va jouer... Donc, sûrement que casual c'est easy, gamer ça doit être normal, puis old school ça doit être hard. Donc, pas trop me faire chier, je vais jouer à gamer. Parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. Tout ce que je sais, c'est pas un jeu où tu dois tuer tout le monde, puis tu te déballes à l'infini. C'est un jeu de survie où ce que tes balles comptent, les balles sont rares, les ennemis sont durs. Tu peux mourir facilement. Donc, une option durant un combat qui est legit, c'est de fuir. Simplement. Donc, on va y aller avec Gamer. Et, ok. Chris ou Jill. Puis sinon, c'est quoi ça? Ok. Pourquoi qu'on peut prendre quand ils sont plus vieux, je sais pas. Ah, peu importe, faut que je fasse un choix. On va y aller avec un bon petit pile ou face. J'utilise une pièce quand même assez spéciale, si l'éclairage me le permet. Dans le fond, c'est la pièce utilisée dans Hearthstone pour décider qui est le premier et qui est le deuxième joueur à commencer. Donc, on va dire, vu que en allant sur la sélection du personnage, Chris était le premier. Donc Chris, ça va être le numéro 1. Et Jill, ça va être... C'est pas ce que je dis. Jill, ça va être le cristal. Donc, on va flipper ça. Et c'est le numéro 1. Donc, c'est Chris. Donc, on va y aller avec Chris. Let's go. Chris Redfield. Donc, je veux vous avertir. Vous avez sûrement déjà pu réaliser. Les vidéos vont être longues. Pour les Resident Evil. Alpha team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Hmm. Fameuse position du pistolet avec la lampe de poche juste en dessous. C'est stable, puis en plus t'as une bonne vision qui rentre de poche. Mm-hmm. Non, y'a rien. Ah! Non, c'est ça. Shit. Tellement pas faire du bien. Oh ben...
Il est rendu de la chair à pâté. Pas drôle. Putain, le Jill va se faire attaquer. Yeah! Come on! Come on! On fuit de là. Est comme est parti. Tenter de survivre dans un monde déprimé. There are only three stars members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? Oh, coup de feu. I'll go and check it out. All right. Barry. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Bon. Yo. Oh, il se promène comme ça, hein. Oh, pas de problème. Même pas si c'est garde. Attends un peu. J'ai juste un couteau. Oh, merde. Ok. Oh putain! Je vois quelque chose, je fuis là! Ah, on va sauvegarder tant qu'à faire. Et voilà! Bon! Donc. On se promène comme ça, comme si de rien n'était, hein? Ah oui, non, on vient se faire pourchasser par. Par des chiens. Rien. Pourquoi ça attend? C'est ça! Espérons que ce n'est. Il y a du sang par terre, espérons que ce n'est pas celui d'un de vos amis. Ah, c'est même pas les paroles de Chris, c'est un narrateur qui parle. Bon, on va aller par là. Bon. Je vais aller à gauche. Les angles de caméra sont vraiment pas le fun. Ah merde, ça commence déjà. Non. C'est qui? Oh shit, fuis mon ami. On sac notre camp, on s'en va par là, on s'en va par là. Je veux pas... On va aller... On va revenir au hall, quelque chose là, je sais pas. Fuck that. C'est une porte, ça? Non, ok. Oh, Wesker, Jill. Wesker? Jill? Where did they go? Oh, c'est quoi ça? Pistolet? C'est qui? Mais c'est pistolet à qui ça? Ok, je vais l'équiper là, mais. Jill et Wesker sont où? On ne sait pas. Puis là,
Ok. C'est verrouillé. L'emblème d'une épée est gravé sur la serrure. Ok. Il faut une clé. Une sorte de clé. D'accord, on va essayer de passer ça. Ok. Je vais essayer de chercher ça en haut. Y a-t-il moyen de. C'est moyen de moyenner. La femme puisant de l'eau. J'ai son truc en haut. Bon. Aha! Je vais le remettre à sa place après. Hein. Juste au cas, hein. Je sais pas. Carte manoir F. Oh! Bien sûr, je vais la prendre. Vous avez pris la carte manoir F. En fait, c'est first floor pour premier étage. On va la remettre ce que c'était. Et voilà. Je peux pas pousser plus? Non, ok. Bon. Seigneur de merde. Oh, les angles de merde, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, c'est rien. Un poignard. On va le prendre. Bon, fuite d'urgence. Si vous utilisez des objets de défense qui étaient des poignards, vous pouvez vous échapper momentanément lorsque l'ennemi vous saisit. Attention, vous ne pourrez pas vous échapper si l'ennemi vous attaque par derrière. Ok. Pour vous équiper de l'arsenal tactique, accédez à l'écran d'état, puis sélectionnez un objet dans le menu arsenal tactique. Sélectionnez ensuite la commande équiper. Si votre arsenal tactique est réglé sur le mode manuel, dans la configuration de la manette, vous devez appuyer sur LB pour l'utiliser. Je pense que LB, pour moi, ce serait L2. Je pense que moi, j'ai un L1, L2 et R2, R1. Donc, ok. Juste pour m'assurer, juste voir c'est quoi arsenal tactique automatique. Ok, je vais le laisser automatique, ça va être un petit peu moins compliqué. Donc, ok, là je présume que, ouais. Ils veulent qu'on essaye voir. Ils veulent qu'on utilise cette merde, hein? Je vais essayer mon couteau tant qu'à faire. Tant qu'à pouvoir se défendre, je vais l'essayer. Wow. Il est mort? Quelque chose me dit qu'il est pas mort. Il est mort? Oh! Ah ouais! Eh ben! Ok. Bon ben, je présume que le couteau de défense, il fait vraiment mal. Je parle pas du couteau de celui-là ici, là. Je parle du couteau, le poignard qu'on a pris. Je vais présumer que ça fait vraiment mal. Donc, ça a pas pris beaucoup de coups pour le tuer après. Mais, ouais. Ok. Donc, maintenant, j'ai la map. C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. On va aller... on va aller voir la porte à droite. Ici. Est-ce que c'est ouvert? Verrouillé. L'emblème d'un casque. Ok. Attends, on va aller voir en bas pour le fun aussi. Ok. Bon, le tonnerre. Oh shit. Moi, je veux pas le savoir. Oh my god, je veux vraiment pas le savoir. Ok. Bon, ben. C'est cette porte-là pour le fun. Et... oh, elle ouvre. Oh, c'est-tu... je pense que c'est la cuisine. C'est la cuisine. Donc, est-ce qu'on retourne là où il y avait l'autre pétasse? Chose me dit qu'il est encore là.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un tableau représentant deux chevaliers qui se battent. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine de l'un des chevaliers, tandis que la longue épée a transpercé la tête de l'autre. Ben, je pense que c'est lui avec la longue épée qui a gagné, hein? Sinon, il y a une machine à écrire. Il n'y a pas l'air d'avoir trop, beaucoup de choses intéressantes. J'ai vraiment pas envie de passer par là. Eh. Oh. Ok. L'emblème, c'est le bouclier. À partir de l'écran d'état, sélectionnez un objet puis la commande à examiner. Les renseignements concernant l'objet s'afficheront. Ok, on va checker ça. Examiner. Emblème. C'est tout? Zoom avant. Zoom arrière. Examiner. Ok. Les bords extérieurs sont abîmés car il a souvent été retiré et replacé. Aha! C'est ce qui amène à conclure que c'est une clé. Donc, c'est le bouclier. Est-ce qu'il y avait une place qui disait qu'il fallait l'emblème d'un bouclier? Je ne m'en rappelle pas. Donc, on va oublier cette porte-là là-bas pour l'instant. J'ai vraiment pas envie de faire des câlins, là. À cette putain de zombie. Donc, on va aller en haut. Attends, y'a-t-il une autre porte, là? Oh, ok. De voir la perspective, ok. Là, il y a les marches, mais on va aller en haut. Je vais équiper mon pistolet, juste au cas. Équiper. On va ouvrir l'œil aussi pour découvrir des objets et des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, c'est une porte! Oh. On est dehors. Attends, il y a peut-être quelque chose à cacher là. À terre. Non, ok. Oh là là. Un cimetière, c'est tellement... C'est très accueillant. J'aime ce que vous avez fait avec, avec le décor. Ok, il y a une porte. Oh, il y a une chose à terre. La porte est verrouillée depuis de l'autre côté. Ok. Fait qu'éventuellement, on va arriver de l'autre côté. Pour ouvrir cette porte-là, pour arriver ici. Ok, on va aller par là. Puis il doit y avoir des chiens. Selon moi, il va y avoir des chiens. Ok, on peut pas aller là. Pas le choix d'aller tout droit. Je suis vraiment méfiant. Je sais vraiment pas ce qui va se passer. C'est quoi ça? Une tombe avec un ange. Il a une cavité en forme de pointe de flèche. Donc, il faut mettre une pointe de flèche là. Ok, ben, je pense que c'est pas mal ça pour dehors ici. Donc, on va retourner en dedans. Hein? Au plus vite. C'est pas super accueillant. C'était une porte cachée. C'était bien cool ça. Ok. Bon. C'est silencieux. Il me semble que s'il y aurait quelque chose, ça ferait du bruit. Donc, je dois présumer qu'ici, je suis quand même safe. C'est verrouillé. L'emblème d'une épée est gravé. Ok. J'ai pas l'épée par contre. J'ai le bouclier, mais j'ai pas l'épée. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure est gravé. J'ai pas l'armure. C'est quoi le... Tu vois le tableau? Le tableau dans un immense cadre. La peinture est sèche et craquelée. Vieux tableau. Oh putain, c'est moi ça. Ok. Impossible de voir quoi que ce soit dans le brouillard et l'obscurité. D'accord. La toile a été bien conservée. Les personnages ont gardé leur éclat d'origine. Oh, une porte. La porte est verrouillée depuis de l'autre côté. Bon, ok. Et là, ok, il y a une porte là. Et c'est tout. Donc, je présume celle-là est ouverte.
puis ça devrait logiquement amener sur le balcon en haut de la cuisine. Parce qu'en rentrant dans la cuisine en haut, j'ai remarqué qu'il y avait une espèce de balcon là. Donc on devrait arriver de là, c'est ça. Quelque chose marche. Y'a un zombie! J'aurais pas dû l'esprit, mais j'aurais juste dû l'éviter. Ça. À moins qu'il y ait un autre. Ah, un poignard. On va le garder soigneusement. J'ai comme une balle. 9. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer de pratiquer mon combat au couteau. C'est pour le fun, je pense que si... Je vais essayer de faire en sorte qu'il essaie de m'attraper. Par contre, je vais me donner du jeu, là. Ah, viens, attends. Ah ouais, il essaie de m'attraper. Ok! Oh, come on! Ah! Jesus Christ. Il essaie de m'attraper. Oh non! Ah, merde! J'ai foiré, il doit être mort, là, je présume. Ah, mais hey! La fameuse caméra nous montre quelque chose! Il y a un truc, là, qu'on peut prendre. Donne-moi ça. Oh, on peut le déplacer. Ok, fait qu'il faut le déplacer vers un rayon de lumière, genre? Pour que le cristal fasse quelque chose. C'est ici? Non. Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre? Non. Où est-ce qu'il faut le foutre? Bon. J'avais vu autre chose, me semble, à terre. Ah non, ça, j'avais vu le poignard. C'est sûr qu'il faut faire en sorte que le joyau il reflète. C'est sûr, c'est la seule chose que je vois. C'est poussé bien loin. Oh seigneur, je veux pas l'aller trop loin là. Bon, on va essayer une autre porte. Un vitrail, le motif au centre semble représenter une femme. Oh. On va prendre une chance, on va le pousser jusque là. Allez, encore un peu... Ça marche pas! En espérant que la porte là où il faut que j'aille est pas là où ce qui est. Je pensais entendre des bruits de pas, mais c'était les miens. Et c'est parti! Ok, je vais aller voir là-bas en premier. Juste au cas où... Oh, il est là! What's up, bitch? Allô, toi! Je m'en vais par là. Le corps de votre camarade... De votre camarade... Camarade Kenneth. Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. Qu'est-ce que c'est? Une cassette. C'est la cassette qui appartenait à Kenneth. Il me faudrait un magnétoscope pour la visionner. Oh, on va pouvoir voir comment... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, c'est ouvert. Ok, merde. Ok. Moi, j'ai échappé à ces zombies-là. Mais... J'aime pas ça. Putain. On va aller prendre un petit peu de thé pour nous relaxer. Non, ça marche pas. Ok. Oh, seigneur, man. 1, 2, 3, 4, hit it!